Bonjour tout le monde, bonjour les résistants, les résistantes, bonjour, bonjour. Alors, je sais que vous avez le moral dans les chaussettes, hein, je comprends. J'ai entendu ce qui s'est passé avec Annecy. Alors, je ne vais pas vous faire du tirage sur le drame, ça ne sert à rien. Bon, par contre, ce que je vais faire, c'est je vais regarder un petit peu la réaction d'une part du Gouv, donc bon, voilà, finissez le mot, et la réaction d'une part des Français, alors en général. Hein, bon, donc on y va. Donc on va faire deux colonnes distinctes. À part ça, j'espère quand même que ça va pour vous. Hein. J'étais en train de dire à mon mari tout à l'heure que j'en avais marre d'avoir raison sur certaines choses. J'avais ressorti le passe partout il n'y a pas très longtemps. Donc on ira regarder ça. Et puis l'eau, l'eau, voilà. Et la nouvelle pandémie, on ira regarder ça aussi. Je sens bien le truc arriver. Bon, mais n'allons pas trop vite. On va déjà regarder un petit peu. Donc, ce que va mettre en place le Gouv, on va l'appeler comme ça, hein, par rapport donc à ce drame très très bizarre, très très curieux. Je tiens pas trop à épiloguer sur le sujet, mais c'est curieux tout ça. Et franchement, je sais pas ce qui me fait le plus peur. Le gars qui a attaqué les enfants, ou bien le fait que les gens soient là et ne réagissent pas, mis à part une personne qui s'est interposée. Vous voyez, je... Ah tiens, quand on parle du truc, vous voyez, danger. Bon, c'est très préoccupant, très très préoccupant, parce que une personne, si tout le monde, si les hommes, où sont les hommes, hein? Bon, je demande pas aux femmes d'intervenir, mais moi je me connais, j'y serais allée. Enfin, je veux dire, vous savez, parfois on réagit avec instinct et je me connais très bien. Donc j'aurais sans doute mal fini, mais je serais intervenue d'une façon ou d'une autre, quoi. Et ce qui m'embête, c'est que il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a eu personne qui a réagi, et ça c'est grave. Bon, alors, on va regarder. Donc le Gouv, comment est-ce qu'ils vont réagir? Donc j'essaie de me concentrer un petit peu sur certaines personnes. Alors, la réaction du Gouv. Alors, les autorités qui prennent la fuite. Bon, ça veut tout dire, hein. Donc, quelque part, il y a, comment dire, une espèce de fuite par rapport au problème. Oui, c'est ça, en fait. Ça veut dire que on n'affronte pas le problème. C'est marqué, hein. Moi, je peux rien. Je sors les cartes, voilà. C'est elles qui disent. Bon. Alors, on va quand même essayer de voir un petit peu s'il va y avoir des mesures. Comment va réagir le Gouv par rapport à ce qui s'est passé à ce drame? Quelles mesures ils vont prendre? On va faire un tirage comme ça. Voilà, on va regarder un peu ce qui sort. Bon, j'innove un peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un refus. Bon, d'accord. Un refus, un rejet, une attente et un homme. Ah, il y a un homme qui intervient dans cette histoire. Alors, je ne sais pas lequel. Hein. Je ne sais pas si c'est celui de la justice ou autre. J'en sais rien. Il y a un refus de quelque chose et un accomplissement de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vont refuser? Vous avez vu qu'il y a de l'attente. Des excès. Ils vont refuser. Ah, d'accord. Donc, ils vont refuser au Gouv. Ils vont refuser que ce soit récupéré, par exemple, par certains partis. Voilà. Donc, ils vont refuser qu'on mette ça... qu'on réagisse de façon excessive. Ouais, c'était un peu difficile à préciser ce que j'avais en tête. Ils vont refuser qu'on en fasse tout un drame ou des choses comme ça. Il y a refus de la démesure. Donc, ils vont essayer de minimiser, en d'autres termes, ou de remettre ça de façon posée, raisonnable, comme si on pouvait être posé et raisonnable dans cette situation. Mais c'est un peu ça, en fait. J'ai envie de dire qu'ils vont essayer de recadrer les choses. C'est très curieux ce que je sors. Alors... Exaucement et trahison, ouais. Alors, je sais pas pourquoi. C'est comme si qu'il y avait une trahison qui était faite par rapport à la famille. Ah oui, d'accord. Bon, les familles, elles, par contre, vont... Ouais, c'est ça. Les familles, alors, c'est pas la réaction du Gouv, hein, comme quoi.
peut pas toujours contrôler les cartes. Ce sont les familles qui se sentent trahies et qui vont exiger qu'il y ait de la lumière qui soit faite sur ce drame. Vous avez les trois cartes là. Bon, ok. D'accord. On va revenir sur le Gouv. Bon, c'est actuel. Alors, je sais pas si je la prends celle-là. Ouais, bon. Alors, il y a des alliances, il y a des parties, d'accord. Alors, il y a une attente de quelque chose, la force, combativité. Ah oui, d'accord, regardez. J'ai la force et la combativité par rapport aux personnes qui viennent d'ailleurs, en attente. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Une bonne nouvelle. Ah, ils vont quand même prendre une mesure. D'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qu'ils vont faire par rapport aux personnes qui viennent d'ailleurs. C'est marqué, hein, encore une fois, voilà. Je dénie toute responsabilité personnelle, le lointain, l'ailleurs. Les gens, donc, qui sont combatifs ou agressifs, hein, ok, la force. Et une bonne nouvelle. Donc, je pense qu'ils vont quand même prendre des mesures. Mais pourtant, il y avait fuite, hein. C'est curieux, hein. Alors, on va voir quelles mesures ils vont prendre, si celles-ci sont adéquates ou pas. Pardon. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait ce que je pensais, parce qu'il y a une bonne nouvelle avec du pardon. Donc, comme si, ouais, ils essayaient de temporiser, comme si ils essayaient de temporiser. Vous voyez, on pardonne, on réconcilie, on essaie d'apaiser les choses. C'est curieux, hein? Alors que là, j'avais l'impression qu'en fait, ils allaient agir, mais non, pas du tout. Pas du tout. Ils vont essayer de faire agir les questions de, voilà, de pardon, hein. Mais je comprends pas exactement ce qu'ils vont faire là. Attendez, on va voir. Parce que j'ai quand même une bonne nouvelle. Alors, ah ouais, c'est peut-être parce que les enfants vont s'en sortir. Ah oui, ça peut être ça. Ouais, pour l'instant, c'est encore dans l'incertitude. Vous voyez, les enfants sont. Oui, parce qu'il y a encore des petits, hein. Oh, c'est terrible de dire ça. Des petits qui sont entre la vie et la mort. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Vous voyez? Donc, je pense que les enfants s'en sortiront. On croise les doigts, hein, d'accord? Je ferai une petite prière d'ailleurs pour eux. D'où le fait que ça va être, vous voyez, minimisé, apaisé, recadré, enfin, tous les mots en et, comme ce que vous voulez, hein. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Bon. Ok. Mais il n'empêche que les familles vont s'estimer trahies et vont exiger de faire la lumière sur cette histoire. Alors là, on a un homme. Alors, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du Gouv ou si c'est l'assaillant. Mais là, j'ai essayé vraiment de rester sur le Gouv. Donc, on va voir qui c'est. Alors, quelqu'un de. Alors, gloire et longévité, ouais. Et justice. Donc ça, ce serait plutôt quelqu'un d'important au niveau du ministère de la Justice, hein, garde des Sceaux, enfin bon. C'est plutôt ce qu'il me dit. Et renouveau. Renouveau par rapport à ça. Ouais, donc je pense quand même qu'ils vont changer quelques petites choses. Ouais. Parce que les gens, ils en ont marre, il y a la lassitude. Donc qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre? On va regarder. Une chance. Ouais, je vois pas trop, hein. Bon. Une chance par rapport à des sorties, quelque chose par rapport à des sorties. Ah, d'accord, des sorties et des refuges. Bon, il est possible qu'il y ait quand même des mesures, alors qu'ils soient plutôt positives, qui soient mises en œuvre pour que, par exemple, lors de sorties, eh bien, il y ait davantage de protection. Je sais pas, c'est curieux, c'est ce que je vois moi, parce que j'ai les loisirs et j'ai le refuge. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils vont mettre ça en route? Donc le couple, ouais, le travail. Ah d'accord. Donc il est possible qu'il y ait des lieux, par exemple, qui soient davantage protégés, puisque c'est des gens qui travailleraient à deux, c'est-à-dire des ouais, deux personnes, deux policiers par exemple, vous voyez, qui surveillent, parce que j'ai le travail. Donc deux personnes qui soient chargées de surveiller un petit peu les endroits où il y a des loisirs et où les enfants peuvent s'amuser. Vous voyez, c'est ça que je vois moi. Enfin, on verra bien, mais est-ce qu'il y a autre chose? Bon, l'hiver, alors ça c'est une saison, bon, ok, et quoi d'autre?
Ouais, parce que voilà, parce qu'en fait les gens vont avoir peur. Donc ça veut dire qu'en fait, donc vous avez compris, hein, je ne refais pas toute l'explication, mais à mon sens, ils vont en fait éviter d'affronter le problème de face, puisque là on l'a vu. Ils vont essayer plutôt d'apaiser. En tout cas, c'est vrai qu'on a une bonne nouvelle. Heureusement, les enfants vont être tirés d'affaire, à mon sens, hein, à mon sens, et que ils vont plutôt en fait faire en sorte d'assurer davantage de protection sur les lieux de loisirs. Voilà, c'est ce que je vois. Donc, pour éviter que les gens aient peur. Ouais, vous voyez, la résistance qui t'en ruine. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui vont aller combattre le problème. La résistance, la ruine. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas vraiment de combat par rapport à ce problème. On prend une solution détournée. Bon, c'est ce que je vois, d'accord? Bon, ok. Alors, les Français maintenant, comment est-ce qu'ils vont réagir? Donc, il faut que je remélange mon jeu. Attends, on va faire comme ça, hein. Bon, il y avait une petite intervention quand même des familles, hein. Mais je pense que c'est les familles qui vont dire c'est pas possible, on peut aller se promener tranquillement, il faut davantage de sécurité. Donc il est possible que par exemple dans les parcs, bah, vous allez me dire, mais oui, mais il y avait des gendarmes et des policiers, ouais, je sais bien, mais ils n'ont rien fait. Pourtant, j'ai l'impression que ça va être ça. Alors peut-être un renforcement des effectifs, hein, je sais pas, c'est curieux. Mais j'ai pas l'impression que ça passera par autre chose. Ouais. Bon. Alors. Mais bon, moi, je vais vous dire, hein, si j'avais été là, j'aurais. Enfin, je sais pas. Je me connais, hein, je suis très instinctive. Je réfléchis pas dans ces cas-là. Vous savez, c'est souvent le corps qui décide. C'est une question d'instinct, hein. Enfant en danger, généralement, il y a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur de chacun, enfin, normalement, hein. Et voilà, et c'est le corps qui réagit et c'est pas la raison. Donc, bon. Enfin, là, je parle pour moi. Alors, je dis pas que j'aurais bien fait, mais on peut pas rester insensible, on peut pas rester sans rien faire, c'est pas possible. On prend un caillou, vous voyez ce que je veux dire? On prend un caillou, on balance ça sur le type, enfin, je sais pas moi. On va bien avoir des possibilités de réagir. Alors, bref. Donc, les Français. Comment vont-ils réagir? Bon, on en a quand même une petite idée, hein, par rapport à ce drame. Alors, j'ai encore la réconciliation, le pardon, la liberté. Ouais, c'est marrant, j'ai encore les mêmes cartes. Pourtant, je les ai mélangées. Bon, ok. Alors, comment vont réagir les Français par rapport à ce qui s'est passé? Bon, mauvaise nouvelle, malheur, d'accord, et soulagement. Ouais, donc, vous voyez, je pense que là, on va quand même apprendre que les enfants sont tirés d'affaire. Il y a quelque chose ici. Bon, d'accord. Ok, là, je me tienne au courant parce que pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais par rapport à l'assaillant, donc. Qu'est-ce que les gens vont demander? Alors, il y a un blocage. Alors, il y a un blocage, il y a un homme, oui, qui est en cause. D'accord. Oui. Alors, là, on demande un changement. On demande un changement par rapport à une situation qui semble bloquée. Bon. Et il me semble aussi que les gens vont vouloir que les choses changent. Attendez, on va regarder ce que c'est sur le développement. Ouais, amis et liberté. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées là. J'ai amis et liberté, confident. Regardez ce que c'est parce que là, qu'est-ce que veulent les gens en fait? Oui, non, c'est ça, ils veulent bien un changement. Hein. Ils veulent bien un changement par rapport à des choses qui sont trop développées, des choses qui sont allées trop loin. Vous voyez, le champ, il a poussé, fertilité. Et ça, c'est les hommes, pardon, hein, mais c'est vraiment normalement majoritairement des hommes qui sont violents. Hein. On a eu beaucoup d'attaques au couteau, malheureusement, les dernières semaines. Donc, on va dire que c'est des hommes relativement.
relativement jeune d'ailleurs, ça s'est trop développé, cette histoire de violence. Et là, les gens demandent à ce que les choses changent et qu'on retrouve, je crois que c'est ça, et qu'on retrouve une certaine convivialité. Voilà, une certaine assurance de pouvoir sortir tranquillement avec des amis. Donc, et retrouver une certaine liberté. Donc là, il y a une demande de changement. Bon, les gens veulent que ça change. Bon, vous allez dire, c'est pas étonnant. Ouais. Mais est-ce que j'ai d'autres émotions? Voilà, regardez les enfants qui sortent. Là, c'est bien, c'est là maintenant. Donc, ils disent aussi que c'est trop lent, les choses ne changent pas et qu'il faut faire bouger les choses. Vous savez, la pétanque, là, vous savez, quand vous essayez justement de lancer les boules de pétanque pour faire bouger les choses. Et là, les gens trouvent que c'est trop lent. Ils veulent que les choses changent par rapport aux enfants. C'est bien l'enfant qui est sorti, enfin les enfants. Hein. Voilà, donc décision à prendre. Ah, il va y avoir quand même une certaine pression de la part des gens. Mais vous voyez, décision à prendre qui conduit à rien, à abandon. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir quand même une pression populaire pour que les choses changent. Mais que les décisions ne conduiront à rien. Des décisions qui conduisent à abandon. Alors, est-ce que les décisions sont celles qui devraient être prises et qui finalement ne seront pas prises, d'où abandon? Ou est-ce que c'est les gens qui demandent qu'on abandonne certaines décisions? On va regarder ce que c'est. Ah, les complotistes. Bon, cette carte-là, moi, je pense que c'est les vrais complots, par contre. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment là pour faire du mal, hein. Parce qu'en fait, le complot, c'est plutôt ça. Hein. Les complots, ouais, les gens qui donc les gens qui veulent vraiment faire du mal, ouais. C'est bizarre parce que j'ai des questions. On me dit qu'il y a des questions d'argent qui sont cachées là, par rapport aux gens qui viennent pour faire du mal. Je vous dis comme ça sort. Hein. Renouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, obstacle, enfermement, prison. Non, le problème, c'est que, ouais, c'est ça. C'est que les gens demandent vraiment à ce que les gens qui sont mauvais, qui viennent pour faire du mal, éventuellement d'ailleurs, qui sont pris en charge, hein, parce que vous avez le patrimoine, donc des gens qui sont pris en charge, qui viennent pour faire du mal et qui ont des intentions cachées, les gens, les Français, pardon, voudraient que les décisions soient prises pour faire bouger les choses, pour protéger les enfants. Mais vous voyez, ça n'arrivera pas. Puisque j'ai prison, mais j'ai cadeau. Donc finalement, ces gens-là, au lieu d'être enfermés, ben voilà. On est trop généreux avec eux. Et j'ai encore renouveau. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention parce que ça peut recommencer. Puisque j'ai renouveau. Attention. Je ne vais pas épiloguer sur le sort de ce gars. Quoique, si ça fait comme Pierre P, d'ailleurs, vous pourrez regarder Pierre et les loups. Hein. J'avais dit, moi, qu'il ne ferait pas de prison. Hein. Pour l'instant, j'ai raison. Hein. Il ne fait pas de prison. Bon. Donc, j'ai un peu peur que ce type-là, on lui trouve encore des excuses. Non. Psy ou je sais pas quoi. Vous voulez qu'on regarde s'il va aller en prison ou pas? Je suis en train de réfléchir. Bon, allez, on va demander. Est-ce que donc cet homme, ce monstre, hein, faut appeler les choses par leur nom, excusez-moi, mais quand on s'attaque à des petits enfants, c'est des monstres, c'est un monstre, voilà. Est-ce que le monstre, et tant pis si ça ne plaît pas à certains ou à certaines, j'assume. Alors, est-ce que le monstre va aller en prison ou alors qu'est-ce qui va lui arriver? On va voir. Allez. Bon. Alors là, bon, il y a bien la police, d'accord. Ouais, voilà. Attendez, je vous montre. La police. Vous voyez, alors j'ai pas de couteau, quoique, si, j'ai un couteau, une carte de couteau, mais là, j'ai les polices, la police, et on tranche la main. Donc, empêcher d'agir, bah oui, c'est les policiers, ils ont rien fait. Bah, excusez-moi, mais c'est vrai. Ils sont pas vraiment intervenus. La police empêchée d'agir. Ah, bah voilà le couteau, regardez. Vous voyez. Bon, on va dire que c'est quelqu'un qui a un problème psychiatrique. C'est la réponse, là. Voilà. Et donc, il y a amélioration ben, pour la personne. On va la mettre encore dans un endroit, vous voyez, pour lui permettre de...
de s'améliorer. Bon, je n'ai même pas la peine de faire un jeu. D'ailleurs, j'ai pas envie de, franchement, de me brancher sur ce type-là. Mais moi, je pense qu'on va lui trouver des antécédents psychiatriques ou il y a un truc comme ça. Voilà. Bon. Donc ça, c'était le premier tirage.